Harry. T'es vivant. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Je suis pas loin de trouver le docteur Connors. J'ai plus qu'à lui injecter l'antidote et je te rends ton costume direct. Ok. Dis-moi quand c'est bon. Des conduits perturbent le signal du mouchard. Où est-ce qu'il va? Pourquoi est-ce qu'il y a une caméra de sécurité ici? Le lézard pour mettre les égouts en bordel comme ça. Sa tanière est sur une ligne de métro désaffectée. Je crois pas que c'était un accident. Connors ne veut pas qu'on le suive. Il a fracassé une canalisation. Sûrement pour inonder les tunnels derrière lui. Sérieusement? C'est pas vrai. Oscorp a installé un labo dans les égouts? Norman avait dû préparer cet endroit pour Connors à l'époque. Mais sans le répertorier. Tous ces vieux antidotes. Tous périmés. Je me demande si c'est l'échantillon dont Connors s'est servi pour sa formule d'origine. Sur quoi Norman a bien pu demander à Connors de travailler dans ce labo? Ce symbole. Je savais pas que Connors avait étudié les langues anciennes. Pourquoi il a noté des coordonnées célestes? Déjà vu ça quelque part. Mais où? Mutualisme? Connors a toujours pensé que les réponses à ces problèmes venaient des organismes extérieurs. Ils ont aussi une salle blanche? Attends. C'est notre accélérateur de particules de la Fondation? Connors s'en serait servi pour analyser du minerai? Ça. Super, il y a plus de jeu. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? C'est pas celui-là. Ah. Non plus. Salut, Doc! Prêt pour votre check-up annuel? Ça va le faire. C'est pas la première fois, Connors! C'est sa queue le vrai problème! Vous êtes
brillant scientifique. Vous avez fait des erreurs, mais c'est pas obligé de finir comme ça. C'est ça le souvenir que vous voulez laisser à votre famille? Vous pouvez encore la retrouver. Pensez à votre femme, à votre fils. Ils ont besoin de vous. Vous voulez quand même pas priver votre fils de son père? Vous devez vous battre pour lui! Déchaîné dans les rues de New York! Je refuse de le croire. Stop! Vous faites du mal aux gens! Génial! Ils vont s'en mêler! Attention, reculez!
Oh, vite! Vous savez que j'ai pas envie de faire ça. Ça me gonflait. J'ai pas le temps pour ces trucs. Connards ! C'est parti ! J'arrive pas à percer la porte. L'aiguille est coincée! Je refuse de perdre cette antidote! Oh! Génération, c'est trop cool. Et trop crade. Yeah!
pour moi que je fais ça. Harry a besoin de vous. Vous vous souvenez de lui? Il va mourir, Doc. Je veux pas le perdre. Vous êtes le seul à pouvoir l'aider. Il a besoin d'appui. Et j'ai besoin de votre aide pour la lui donner. Pas le laisser là-haut indéfiniment. Si je me rapproche assez. Où est-ce que vous avez eu ça? Harry Osborn. Il a dit que vous l'aviez fabriqué. Suivez-moi. C'est bien ce que je pensais. C'est par ici. Wow, wow, du calme. Je vais regarder de plus près. Ça va, ça va. C'est facile. Faites-le. C'est quoi ce truc? C'est un fragment de météorite tombé à l'extérieur de la ville il y a des années. C'est là qu'on a trouvé ça. Donc je porte un alien? On appelle ça un symbiote. Et, il s'unit au niveau sous-cellulaire avec son hôte. Et, dans notre cas, Harry Osborn.
Il vous l'a donné? Exactement. J'étais blessé. Et il vous a choisi. Ça signifie qu'il est encore plus dangereux que ce que je pensais. Nous devons appeler Oscorp. Nous devons le détruire. Vous voulez nous détruire? Vous avez dit qu'il m'avait choisi, Doc. Spider-Man est meilleur grâce à lui. C'est bon, j'ai la cible en vue. Je vais le suivre.